Bonjour, aujourd'hui nous allons faire normalement la pointe de Thiers et la chapelle de Thiers. La météo a annoncé super beau temps. Pour l'instant c'est mal parti. Super mauvais. On voit rien, le ciel est couvert. Là on s'est mis dans l'oratoire abri de Sainte-Anne. Et puis voilà, ça fait quoi? Un quart d'heure qu'on va? Je sais pas. Bon, on va aller voir cette chapelle. Cette pointe là qui monte à 2900, un peu plus. Donc on verra, si on a du beau temps ça va, on aura un beau paysage, autrement bah, ça sera à refaire. Bah, bonne journée et à bientôt. Allez, quoi. Ça monte, hein. Quoi ça te fait penser? Au cirque de la solitude? Ah oui, avec les chaînes. C'était pas plus raide. On sort à peine du brouillard, mais il monte, il monte, il monte. On est à peu près à 2006. Le paysage est magnifique. Ça se dégage, t'as vu? Ouais, progressivement. Tant mieux. Même. Tant mieux. T'es là-bas aussi alors? Oui, c'est tout là-bas. Il y a des cairns là. Oh non, mais c'est pas là-bas.
Voilà, nous sommes à la chapelle de Thiers. Le panorama est magnifique. En face de nous, ça serait la pointe de Charbonnel. Bon, je suis nul en reconnaissance de sommet, mais bon. Bon, je vais assez doucement pour qu'on puisse apprécier. Là, il y a la chapelle, elle est magnifique. On se demande pourquoi ils viennent faire une chapelle aussi haut. L'hiver, il doit être recouverte complètement. Alors, il y a une messe ou un pèlerinage tous les 16 juillet. Depuis pas mal d'années maintenant. On va rentrer dedans. Dedans, c'est tout petit. Je peux pas me tenir debout. Où il y a une croix en contrebas. On voit les aiguilles d'art là-bas, au fond. Là, je les reconnais bien. Très jolie chapelle. Descend sur Vallon d'Averol. Ouais. Qui est dans le brouillard. Et qui est bien raide. Je lui envoie tout de suite sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment on fait, mais. Bon signe. Prends-la avec toi. T'as pas dû filmer, je crois. Putain, ça a fait le bruit. Si je glisse, moi, je suis rentré pour 2 heures. Ou pas. Thank you.
tracé en tout cas. Ouais, heureusement.